Il y a un débat là-dessus et justement, Mathieu, dans son édito, parlait voilà, de cette opposition, on va dire, même si vous avez dit qu'il ne fallait pas caricaturer. Mais non, mais ça, c'est pas gênant, c'est amusant. Nous avons lu ce que vous avez écrit. Et je suis étonnée parce qu'en 2012, vous pointiez la question sociale comme étant au cœur de la problématique de l'islam de France. Et c'est vrai que depuis les attentats, et c'est ce qui vous oppose avec Olivier Roy, justement, on note un changement de votre part concernant cette interprétation-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis ? Pas du tout. Non. Si vous lisez le livre, vous verrez que la question sociale est extrêmement présente. C'est notamment vous remettez davantage le religieux ? Non, le chapitre, j'essaye de prendre l'ensemble des phénomènes. Parce que, or, ce que je remarque, par exemple, dans le petit édito de votre conférence de rédaction tout à l'heure, c'est qu'au contraire, on est dans une logique où on ne veut pas en parler. On fait l'occultation totale. Toute personne qui parle de l'islam est un islamophobe. On est dans un tabou, si vous voulez, qui empêche de penser les questions. C'est-à-dire qu'on refuse, finalement, de prendre au sérieux ce qui s'est passé en 2015. Vous pensez qu'il y a un tabou sur l'islam ? Ah, bien sûr. L'islamophobie est quelque chose qui nous empêche de penser aujourd'hui. Le tabou de l'islamophobie nous empêche de penser ce qui se passe à l'intérieur de l'islam français. Attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire les conflits pour l'hégémonie en son sein, si vous voulez. C'est ça le problème. Et à mon sens, aujourd'hui, ceux qui brandissent l'islamophobie à bout de bras, le comité contre l'islamophobie en France, qui, comme vous le savez, va organiser une université d'été avec les indigènes de la République interdite aux Blancs. Alors, ce n'est pas tout à fait le collectif contre l'islamophobie, les indigènes de la République. Mais vas-y, pose ta question. Mais c'est deux militantes, Siam Asbag et Fania Noël, effectivement, qui organisent ce camp d'été décolonial. Mais au-delà de ça, en fait, c'est qu'on peut revenir sur le terme islamophobie, parce que justement, dans votre ouvrage, vous dites que vous rejoignez Caroline Fourès, qui dit que c'est un terme. Pas du tout. Qui dit que c'est un terme créé. Juste, je vais terminer ma question. Je vais juste terminer ma question. Qui dit que c'est un terme créé en Iran dans les années 70. Alors qu'on a des preuves que c'est bien antérieur. Moi, je suis Gilles Kepel. Ça fait 40 ans que j'étudie ces questions. Bien sûr, mais c'est pas Madame Fourest qui me dit ce que je pense. Juste sur le terme islamophobie, c'est vrai qu'on peut noter une convergence sur l'origine de ce terme-là avec Caroline Fourest. Je ne pense pas dire de bêtises en disant cela. Et justement, sur l'origine de ce mot dont vous dites qu'il est... qui date des années 70 en Iran, alors qu'on trouve dans la littérature scientifique l'existence, même en France, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou en France, l'existence de ce terme bien avant 1970. Oui, mais pas du tout dans le même contexte. De même que le terme islamisme au 19e siècle est utilisé par Ernest Renan, par exemple, pour désigner l'islam en général. Quand on le remet en circulation à partir des années 1970-1980, ce n'est pas du tout la même chose. C'est fabriqué à ce moment-là pour parler de ceux qui utilisent la religion et le vocabulaire religieux pour construire une vision du politique. Et c'est ce qui va différencier les islamistes, d'un certain, si vous voulez, une catégorie particulière, de l'ensemble des musulmans qui ne sont pas nécessairement des islamistes. Donc, c'est pas parce qu'un terme. L'islamophobie ? Non, c'est pas parce qu'un terme a existé à un moment donné qu'il a nécessairement la même signification à une autre période.